Oh putain. Accroche-toi Timmy mon fils illégitime. Ah putain, c'est vrai que je voulais que tu crèves mais pas si vite. Hey Jean, je te vois par terre. Hey Jean, j'essaie de t'attraper ton Adidas. Oh, je t'ai mis la main au cul. Ah mais non, mais commence pas. Ah mais putain. Il chope mon gosse, fais quelque chose, tête de bite. Mais je peux pas. Je peux pas. Ah putain. Ah t'es où? Ah tu viens de me marcher sur la main. Ah pardon. Ah ça va mec? Ah non, ça va pas, tête de con. Ah. Par contre, pourquoi t'as pris un avion pour la Thaïlande alors que... Enfin, moi j'y suis allé pour aller voir des transsexes, enfin pour m'amuser là-bas et... Bah moi je voulais gagner de l'argent avec mon gosse. Ah pas bête, c'est vrai que ça se fait beaucoup là-bas. Ah, bon salut à tous les amis, c'est Edgin. Oh non, c'est Edgin et Turnip. Pas Edgin tout seul, enfin c'est Turnip et Edgin dans l'ordre. Parce que c'est Turnip qui part. Et bienvenue sur, sur The Forest les copains. Sur un tout nouveau let's play. Voilà, tu vas bien Edgin? Bah non pas trop, c'est un peu la merde. Moi je prévoyais des bonnes vacances tranquilles vu que c'est l'été et... Là, c'est le bordel. Bon, ils ont... On n'aurait pas dû prendre Made in China pour les avions. Le mec en rouge, il a embarqué mon gosse. J'ai bouffé la bouffe qui n'a pas bougé de la tablette, quand même. Le mec, il avait scotché sa bouffe à la tablette. Mais il a embarqué ton gosse? Oui, il a embarqué mon gosse, ouais. Bon, c'est pas que ça m'inquiète plus que ça, mais il faut aller le récupérer, parce que sinon ma meuf... Ah non, elle est morte, c'est vrai. Merde, je viens de récupérer une hache. Ouais. Pourquoi elle a été plantée de cette dame? Je sais pas, c'était pour que ce soit pas... Il y a un mec en rouge qui t'a chouré ton gosse, t'as encore pris des champignons toi? Non, je te jure, je l'ai vu, mais après, toi aussi je t'ai vu, t'étais debout, puis d'un coup t'étais très vite assis, enfin par terre. Ouais, ça m'arrive, des fois je m'endors tout seul. Ok, alors j'ai l'impression qu'en bas à droite, c'est ma faim et ma soif. Tout à fait, tout à fait. Je prends cette petite barre là. Alors n'hésite pas à casser les caisses pour récupérer de la bouffe, des tas de trucs. Alors j'ai mangé un truc, j'aurais sûrement pas dû manger. Ça commence bien. Ça commence très bien. Bon les copains, on commence un tout nouveau let's play sur The Forest. Je n'ai jamais joué à ce jeu de ma vie, alors que ça fait très longtemps qu'il est sorti. Et qu'il est toujours en alpha hein, d'ailleurs depuis facilement 13 ans maintenant. facilement. Mais on s'est dit que ça pourrait être sympa de changer un petit peu d'univers, de rester un petit peu dans un monde open world, mais avec un peu de survie, un peu de flip, parce qu'on est des gros trouillards, enfin moi le premier. Ah mais moi je me ris du danger. Du danger derrière toi. Ah, où ça? Non, je déconne, c'est qu'une valise. T'es con, en plus tu fais ça devant les viewers, tu sais très bien que je ne peux pas ça. Bon alors, quel est l'objectif pour le moment? Je sais pas, casser des caisses. Moi je coupe du bois, moi. Ce qu'on peut. Si j'ai appris quelque chose... J'ai un caillou, mon gars. Oh là non, pas le caillou. Je vais le balancer. Ah, on peut sprinter, on peut sauter. Et il est pas moche du tout, ce jeu, mine de rien. Non, du tout. Je vais essayer de lancer ce caillou sur cette biquette, là. Sur une biquette? Trouver une biquette. Merde, j'ai raté, parce qu'il n'y a pas de viseur. Bon, je prends des cailloux par terre. Oui, mais alors du coup, en fait, je pense que dans mon manuel de survie, c'est marqué trouver un endroit où il y a de l'eau. Oui, mais Bear Grylls il dit la même chose dans Man vs Wild, donc on va trouver de l'eau parce que de l'eau mène à la civilisation. Ouais. Sauf que le problème, c'est que si on commence comme ça, à la fin, on finit par boire nos pisses. Hein, donc, et à manger notre caca parce que ça contient 99% de protéines. Alors la grande question, c'est est-ce que je vais manger ton caca ou mon propre caca? Moi j'ai envie de dire. En fait, quand on sera lassé de notre propre caca, on pourra goûter celui de l'autre pour voilà, pour changer un petit peu les goûts. Je t'ai perdu, Tony. Je t'ai perdu. Moi, je suis déjà lassé de mon caca. Me demande pas pourquoi. Oh des biches. Alors, je voulais aller par là, mais en fait, il y a une falaise, donc je vais pas aller par là. Tiens, j'ai tué une biche. Ce serait bien qu'on se trouve une plage. On serait bien sur une plage, non? Ouais, carrément. Par contre, pour une raison que j'ignore, j'ai pu prendre la tête de la biche avec moi. Ça compte ou pas? T'as buté une biche? Oui, j'ai buté une biche. Mais comment t'as fait? Meuse barre en courant. Mais moi, c'est parce que je suis un aventurier. C'est quoi ce bordel? J'ai trop de cailloux? C'est quoi? C'est mon inventaire, ça? J'ai 5 cailloux. Alors, il me donne des... Là, regarde, j'ai la tête de la biche. Il me donne des raccourcis. Ah non. Ah, mais c'est qui tu as? Mais quoi, taré? Mais t'es un taré! Mais pose ça, mais c'est dégueulasse! Mais attends, regarde, on peut faire un meupet show quand on s'emmerde. Ah non! Tu t'es... Je suis Bambi! J'ai enculé ma mère par derrière et un grand chasseur lui a tiré dessus! Tu t'es habitué un petit peu trop vite à notre condition. Ça fait 5 minutes qu'on s'est écrasé, tu sais déjà arracher des têtes à des animaux sauvages, je suis pas inquiet.
Bah non, c'est pas la première fois que ça nous arrive ce genre de... C'est pas un peu merdique par ici, hein? Je descends non, quand même. On peut aller sur la plage, le problème c'est qu'on va manquer affreusement d'arbres. À la limite, non mais remonte, à la limite on se fait une petite cabane là dans ce coin là. Ouais. Mais en plein milieu de la forêt, est-ce que c'est pas une... Je sais pas. Bah oui, mais là on pourra, si jamais il y a des gens ou des trucs comme ça, on pourra voir venir, tu vois. Bah dans une forêt justement, non. Mais non, ah oui, là, ah oui, ici, ah là. oui, t'as raison, sur ce petit plateau là. Eh ben on va s'installer là. Alors qu'est-ce qu'il faut? Attends, qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Shelters. Temporary shelter. On se fait un small cabin ou un long cabin ou... Bah je pense qu'il faut peut-être commencer par un temporary shelter quand même, non? Ouais, ou un hunting shelter aussi. Hein. Hunting shelter. C'est quoi la différence, grosso modo? Bon, je le pose et puis on va emmener les composants, j'imagine que c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, mais il faut que j'en pose un aussi. C'est dur. Mais on peut pas partager? On peut pas se coller l'un à l'autre? Non, tu sais très bien ce qui arrive quand on se colle l'un à l'autre. Moi, je le mets là. Et il me faut... Oh, c'est trop bien fait. Et par contre, les cailloux, je les mets où à la base, en fait? Il me le dit pas. Dans ton cul. Ok, il me faut encore 7 bûches et un caillou. Ok. Bah si, tu les mets à la base, les cailloux. Ah bah tiens, il me restait 3... Je t'ai rajouté une... une petite brindille de bois. Alors on va éviter de couper les arbres qui sont trop proches de nous. Alors attention parce que je crois que les arbres quand ils nous tombent sur la gueule ça nous fait des dégâts. Bah ça me paraît logique finalement. Oui c'est assez réaliste finalement. Allez, on fait notre bûcheron. Bah, j'allais manger ça mais quelque chose me dit que... Mange pas tout et n'importe et quoi. Mine de rien, heureusement que la meuf on l'a tué avec une hachette et pas genre avec une balle dans la tête parce qu'on serait carrément plus emmerdé. C'est pas faux. Timber! Attendez, pousse-toi! Oh, mais t'as taré! Il y en a un autre qui tombe là! Comment je fais le fait? Faut que je le pousse? Non, il va tomber. Non, t'as pas fini de creuser encore. Ah bon? Ah là là, ton stage de survie, hein? Bah, si t'étais pas occupé à coucher avec l'une des monitrices. Et. Boum! Ah ouais, d'accord, mais c'est des grosses bûches! Ah putain, mais tu mets 3 plombes à les emmener en plus! Oui, mais tu peux les amener deux par deux. Attends, on vient de me dire que je suis couvert de sang et qu'il faudrait que je me lave pour éviter les infections. Ah oui, merde, c'est vrai. Pareil. Je vais m'équiper. Hop, je récupère. Bon, bah je vais l'emmener. Bonk. Oh putain, il en faut 7, mais ça va prendre des années. Mais non, tu vas... Vas-y, t'as fini avec les cailloux. Ouais, t'as fini avec les cailloux, toi. Bon, on va se baigner un petit coup quand même, c'est pas... Ouais, bah ouais, on va profiter quand même. On va profiter de nos vacances. Bah ouais, mine de rien. Attends, je prends des cailloux. Ah, pour une fois que je suis sans mon gosse, je peux être peinard. Ouais, c'est clair. Enfin, sans l'un de tes gosses. Je les connais pas tous les gosses après. Ah, je me baigne, j'espère juste pas tomber sur un mégalodon. Ah, j'y vois mal sous l'eau. Comment? Bizarrement, hein, c'est chelou. Comment, ouais. Pom, 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 pom. Oh! Je commence à voir ce que... Ah bah, c'est bon, j'ai trouvé de l'écureuil pour dîner. Ah, t'as de la chance, moi j'ai essayé de tuer une étoile de mer, mais visiblement elle était bien trop soleil. Mais tu peux arrêter de me ramener des cadavres, t'es pas... Un chat, putain. Ah, mais c'est rigolo. Il me ramène des cadavres d'animaux devant mon... devant tes pantoufles. Il s'est fou, ce truc. Tu vas... Toi aussi, tu vas vomir sur mes affaires. Tu vas faire des boules de poils, tu vas te lécher les parties génitales. Ah, ça, je sais faire. Et alors, donc, une chose, tes parties génitales ne sont pas mes parties génitales, et vice-versa. Ça, on est d'accord. Donc évite de lécher ce qui ne t'appartient pas. Ah, oh, une biche qui pop devant moi. Oh, la salope. Viens là, Bambi, viens là. Bon, mec, viens là, je vais te tirer. Viens là, t'as un petit carpaccio, je vais en faire un steak tartare. Parce que je peux pas jouer avec la pente pour faire tomber les bûches dans le bon sens. Non, faut que je les fasse tomber comme ça. Voilà, on sent que Turnips... J'essaie de gagner du temps, mais là j'en perds, donc je vais emmener tranquillement. On sent que Turnip est trop habitué à être dans la stratégie. Mais qui optimise. Oui, c'est ça. Comment on peut optimiser notre rendement là, Billy? Il faudrait couper des arbres dans le sens de la pente, mais également bloquer l'arrivée avec des petits cailloux. Si je mets ce caillou comme ça, l'objet se placera directement à 3 cm plutôt que 4, si tu veux gagner sur une semaine 4 demi-secondes. Ouais. Ah, je peux sprinter avec les bûches dans les bras, donc déjà c'est un bon temps. Ouais, ça tu... Alors j'ai 4. Alors, la goutte d'eau, j'imagine que c'est la soif. Oui. Le petit bidou là, j'imagine que c'est l'estomac, enfin la faim. La faim. À gauche, la barre, c'est la vie. J'ai la fatigue à droite et la dernière barre bleue, je sais pas ce que ça va être. La santé mentale peut-être? Soit la santé mentale, soit l'oxygène, je sais pas trop. Ah, l'oxygène, bah ça diminue. Et pourtant, je suis en. C'est quoi? Il y a une limitation d'oxygène sur la. Sur l'île ou quoi? Ah, il y a une atmosphère saturée. Je t'ai déjà dit que tu pouvais les prendre deux par deux, les rondins. Bah merde, mais j'ai pas entendu.
Ah putain, c'est pas faute de l'avoir dit 4 fois. Bah non, je peux pas les prendre 2 par 2. Ah si. Ça peut être les 33 par 3. Non, faut pas pousser quand même. Ah non, t'es pas Jim le bûcheron quoi, comme toi. Ah ouais. Ah ouais, je suis pas Jim le bûcheron. Ah ouais. Tu le prends comme ça. Plus que 2, parfait. Là, hop. Mais on va être bien dans notre petit. Très vite, faudra qu'on fasse une plus grosse baraque. On aura qu'à poser le. Ouais. On aura qu'à poser le. Mais tu sais, avec un peu de bol, on peut peut-être trouver des autochtones sympas. Et puis moi, comme ça, je pourrais profiter de la luxure et me pavaner. Ah oui, peut-être que. Oui, j'ai ma maison. Parce que normalement, on devrait pas être les seuls à s'être écrasés. Il y a peut-être des survivants. Si j'appuie sur ça, il se passe quelque chose. Ah, je peux sauvegarder. Je vais sauvegarder. Oui, tu peux sauvegarder. Hop. Voilà. Attends, j'ai pas fini le mien. Ouais, remarque, je pourrais sauvegarder aussi. Mais comment ça se passe les sauvegardes en fait? On sait pas. C'est-à-dire comment? Ta gueule! Va-t'en! Tu vas mourir! Reviens, biche de merde! Merde, il manque une bûche! Elle est partie la biche! Ah, je me suis énervé, je vais prendre ce petit brindis. Il en manque un, je me suis fatigué. Bon, est-ce qu'il y a pas des trucs sympas? Je vais regarder mon livre de survie que mon gamin avait très convenablement emporté, ça tombe très bien. Il aurait emmené un boulet bill, j'aurais été bien plus emmerdé que ça. Hein. Ou un porn, tu sais, ah ouais. Merde. Ça va me donner plus envie qu'autre chose. Fais chier. Il y a que toi qui peux regarder. Ok, bon très bien. Bon, faut pas que j'oublie de le faire. Bon, je peux faire un feu, peut-être qu'un feu serait intéressant à faire à un moment donné. Ouais. Food and water, j'ai... ok, storage. J'ai 2-3 trucs pour faire cuire. Oh, il y a une biche en bas, je vais me la faire. De quoi ranger nos objets. Oh, putain, il y a un taquet de trucs. D'abord, je vais coucher avec la biche et ensuite je la bute. On peut faire un mur. Ce serait délire. On pourrait faire un petit mur là pour bloquer ici. Viens là la biche. Viens là. Viens là la biche. Ah merde, il fait orage. Oh merde, attends, je vais boire un coup moi. Voilà, ça va mieux. Ah, mais la biche, tu vas pas nager dans l'océan là. Tu vas pas de ma gueule. Il y a une mouette, elle est venue vers moi en mode hey, t'as vu ses copains? Je lui ai mis un coup de hache dans sa gueule. Ouais, tiens, t'as bien fait. Ah, j'ai buté la biche. Ah, j'ai une tête de mouette maintenant. C'est quoi cette espèce de gros malade mental de perso qu'on a là? Turnip. Je peux attaquer les gens avec une tête de mouette. Turnip. Oui. Ça te dit qu'on fasse un spectacle de puppet show? J'ai récupéré la tête à Bambi. Attends, je t'envoie une tête de mouette là, elle roule vers toi. Ah vas-y, arrête de me jeter des têtes de mouette, vas-y, mais je t'envoie. Ah, y'en a curieux derrière toi. Est-ce qu'on peut pas faire. Eh bah attends, mais y'a une barque là que j'avais pas vue. Excuse-moi, Noï. Vas-y, je t'en prie, mais qu'est-ce que tu veux faire avec cette barque? Bah je sais pas. Pour la peine, je pose cette tête de biche ici. Ouais, bon, je suis en train de me washer là. Ah non, mais c'est une méga. Ah, il y a une corde dedans, mon gars. Ça, c'est sympa. Je peux pas péter la barque. Y a pas de requin dans ce jeu ou... Parce que j'aimerais pas qu'il y ait des requins dans ce jeu. Je vais monter. Bah, je sais pas, tu peux toujours tenter. Hein. Après, moi, je connais pas cette île comme ma poche. Y a un caillou là, je vais essayer de le lancer sur la biche. Fail. Fail du quai. Tiens, au lieu de faire le con, on ramène des cailloux. Ouais, j'en ai 5, je vais te la ramener. Vas-y, ramène. Et il va me falloir. T'as une branche sur toi? Je dois avoir ça, oui. Une brindille? Ouais, je dois en avoir. Bon, bah écoutez, ça se passe pas trop mal pour le moment. Boop, boop, boop. Nice! Ça se passe pas trop mal. Il va marcher le feu ou pas? Attends, je vais l'allumer. Avec mon super. super bic. Non, c'est un cil. Oui, parce qu'ils ont pas eu les droits. Alors, on a un medkit, qu'est-ce qu'on a dans le backpack? J'ai une photo de mon gosse, il est moche. Ok. Je t'ai envoyé un caillou, quoi. Ah ouais, tu me fais mal, espèce de connard. C'est vrai, j'ai fait des dégâts. Je crois, ah, on peut faire un sol. Alors, je regarde un peu tous les trucs à construire. C'est le bestiaire. Par contre, pour les ressources, moi, je vais créer un stickholder et un log. Ouais, j'allais proposer qu'on fasse les trucs pour stocker. Ouais. Alors, où c'est? Il faudrait qu'on s'organise un peu, là. Attends, je peux pas ranger mon... Ici, je vais stocker le stick holder. Je peux pas ranger mon bic, moi. Putain, pareil, il me manque des. Comment je le range, mon putain de bic? Comment je range mon bic? Je sais même pas comment je. Comment je range ma bite? Non, je sais pas. On va chercher dans les options, hein. Contrôle setting. Homme mode découverte totale. Cherche donc. Fire, take, save, lighter. Ah bah, voilà. Oh, j'ai pas récupéré. Il y a des plantes médicinales. L'aloe vera, c'est des plantes médicinales. Bah oui. C'est bon à savoir. Vous aurez remarqué, les amis, que on ne fait pas le double écran parce qu'on s'est dit que pour ce jeu, bah, ce serait plus immersif et plus marrant d'avoir un seul écran à la fois. Chacun son tour, du coup. Voilà, bah, comme avant, sauf qu'il n'y aura pas les double écrans. C'est tout. Voilà, tout
simplement. Alors j'ai un peu commencé à... Attends, vu que c'est beaucoup des brindilles pour construire les trucs de stockage, je vais en couper plein. Ouais, moi aussi je suis en train de faire de la brindille là. Ce qui serait cool, c'est qu'on puisse faire des petites torches pour illuminer un peu le chemin. C'est pas bête. Mais je crois que pour ça, il faut des têtes, des crânes humains. Pour faire des torches. Non, mais il y a des choses plus simples hein, quand même pour faire des torches que des crânes humains. Parce qu'on sait pas faire sans. Non, je rigole, il y a moyen. Tiens, c'est bûche, j'ai assez de sticks. Bah attends, du coup, je vais en profiter. Normalement, je devrais finir ça. Bah, voilà, c'est ça. Et je vais en profiter, je vais poser pour les bûches. Bah vas-y, parce que j'en ai une enlevée dans les bras et je pense que. Je sais, c'est pour ça que je le fais. Juste à côté de la tienne. Ouais, on va faire ça, juste à côté de la tienne. Ah merde, elle se barre ma bûche. On va essayer de les mettre en porte. Hop. J'espère que t'as 8 brindilles parce que sinon c'est la loose. Ah bah merde. Ah putain. Vas-y. Bon, on est reparti. Putain, mais il flotte dans ce pays. C'est bon. Ah bah si, c'est bon ça. Ok. C'est cool. Bon, je vais récupérer les bûches. Parfait. Normalement, j'ai de quoi de nous faire à bouffer tous les deux. Hein. Donc, vraiment, c'est bon. Bon, mine de rien, on est quand même. C'est un peu approximatif quand même comment ça tient le truc là. De quoi, le truc à stick ? Enfin, le truc à. Non, notre baraque là. Ça nous tombe dessus, on est dans la merde. Ouais, mais là, c'est un petit campement à l'arrache. Ah, il faudrait que je mange quelque chose. Ah, attends, tiens. Bah, sinon, prends un Snickers à la limite. Attends, je peux. J'ai de la viande sur moi, ça doit être de la mouette. Je vais la faire cuire. On pourra pas s'échanger les objets. Bon, on peut les dropper à la limite, je pense. Je sais pas, les trucs qui se mangent, je suis pas sûr. Je crois que j'ai fait quoi. Non, mais au taquet de biche, elle me rend folle. Viens là. Viens là. Viens là. J'ai mis ma bouffe dans le feu, mais. Ah, il faut attendre que ça cuise maintenant. Ah, les gars, y'a pas un petit compteur pour me dire quand c'est cuit. Non, c'est. Ça va te dire de pouvoir le récupérer. Bon, bah tant mieux. C'est prêt. Alors, question. Dans mon survival book, qu'est-ce qu'on a de plus sympa à faire? Standing fire, c'est pas mal ça. Oui, ça peut être sympa. Ben voilà. J'en posais un genre à l'entrée de notre village, histoire d'avoir genre ici là. Oh, ce serait stylé, juste à l'entrée ici comme ça. Ouf. Il serait un peu de biais. Notre village. Ah oui, non, moi j'ai des ambitions. Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors, si tu veux faire un village, je suis pas sûr qu'on ait bien placé nos maisons. Tu vois. Non, mais on déménagera à un moment donné. Pour se faire vraiment À un moment. À un moment donné, il faudra peut-être qu'on parte chercher ton gosse aussi. Ah putain, je l'ai oublié ce con. Bah, je sais. Je suis en train de tout péter là, je devrais peut-être pas. Tic-tac. Alors, il te manque quoi là-dessus? Ah bah, les brindilles, ouais, j'en ai plus de brindilles. Là, on est en mode épisode. Épisode, on s'installe quoi. Pour une fois, on s'installera complètement très très vite. Eh ouais. Le soleil se couche. Get a stick. Ah. Bon, j'ai vraiment la dalle. Ah, normalement, je crois qu'il doit être prêt ton truc. Alors, je recoupe du bois histoire qu'on soit. Nice, oh, c'est mignon. C'est trop mignon. Franchement, on a bien fait de s'écraser, tu vois. Ouais. Enfin, moi, il me manque juste. Ma bouffe est prête. Il manque juste les filles. Elle n'était pas visiblement super nourrissante, ma bouffe. Je croyais que tu parlais des filles. Bah, visiblement, elles sont pas super nourrissantes. Quoi, t'es en train de bouffer une passagère? Oh putain, d'ailleurs, on pourrait peut-être aller la choper là, l'autre là-bas, non? La choper dans quel sens? La choper dans le sens où on va la manger. Ah ouais. Mais avant de la manger, on peut faire ce qu'on veut avec aussi. Non, mais d'accord, j'ai beaucoup de déviance, mais au bout d'un moment, faut se calmer quand même. Je vais pas commencer à manger les gens. C'est ça. J'ai lu leur cadavre par contre, ça c'est dans mes corps, mais. Ça c'est rigolo. Ça, c'est sympa. C'est moi ou. Ouais, on dirait une bite, hein, la lampe torche quand même. C'est ça. Ah, j'avoue, putain, elle a deux grosses boules. Pas trois. Ouais, c'est ça. Quand elle brûle, bof bof quoi. Ouais, c'est pas ouf. Ah, faut mettre des feuilles dedans pour les faire brûler plus. Voilà, attends, comment je fais pour allumer mon briquet? Ah, bah, c'est tout bête. Ouais, c'est ça. Il est sur L comme light. C'est tout bête. Bon, je pars chercher des sticks, moi, en attendant. Ouais, bah, le soleil s'est couché quand même. Et moi, c'est de la bouffe en fait qu'il me faudrait, tu vois. Est-ce que je peux allumer mon briquet? Voilà. La bouffe? Attends, je vais venir parce que je vais au taquet de bouffe quand même. Ah ouais? J'arrive, viens. Parce qu'on peut pas se les donner, donc je vais te les donner directement sur le feu, comme ça sera cuit. Un écureuil à manger! Je l'ai eu. Et il y a encore sa tête. Super, on va pouvoir faire une collection de têtes. Ah ouais, je la prends. Ah, vas-y. Il faudra aussi le. Ah ouais, il est mignon. Ouais, il est mignon, mort. Du coup, alors attends, je vais nous cuire les trucs. J'allume un peu le feu quand même là.
Bon, je lâche la tête de... Alors, je m'équipe. Tiens, hop, c'est... Je vais nous donner un truc chacun. On sera pas ouf, mais... Voilà. Bah, n'empêche, on a une belle vue. Bah, mine de rien, on est plutôt bien, là. On bouffe de la biche cuite au feu de bois. Est-ce que je peux pas construire un jacuzzi? Faut croire que non. Je crois pas. Je crois pas. Je vais en profiter, je vais poser le rock holder. Alors, bon, il y a tout ça, les remarques, tu me diras. Le rock holder, où est-ce que je vais le poser? Small cabin serait cool. On a que... Ah oui, il y a que 3. Ah, d'accord. Il n'y avait pas des masses d'objets en fait. Ah, tu peux manger, Tornip. Vas-y, mange un coup. Ça te ferait du bien. Ah, je suis full. Alors, je sais pas pourquoi ma mouette elle m'a pas. Oh putain, une mouette! Où ça? Allez, où ça? C'est une mouette taupe! Elle s'est enfoncée dans le sol! Ah putain, ouais. Comment. You're cold and wet. Je suis froid et mouillé. Enfin, j'ai froid et je suis mouillé. Bah normalement, c'est plutôt l'inverse. Hein. Je suis chaud et mouillé. Je suis tout mouillé. Est-ce qu'on peut mettre le truc dans le feu, la tête de... Non, j'ai pas eu l'impression qu'on pouvait. Oh, la déception. Oh, du coup, alors, c'est bestiaire. Et ça, c'est custom building. Ah oui, effectivement. Ah, on peut se faire nos propres baraques après à la façon qu'on veut, quoi. Ah oui, tout à fait. Defensive wall, alpine treehouse. Oh putain, super, on peut faire une... Ouh, ça m'a fait peur le bruit que ça a fait, là. On peut faire Ah, mais c'est trop bien, on peut se faire des vraies baraques de ouf, quoi. Ouais, bah ouais. Fire voilà. Pit, t'as fait un basic fire ou un fire pit? T'as fait un fire pit toi? Ouais. J'ai pas fait celui avec les troncs d'armes, mais celui avec. Ouais, c'est comme dans. Ah, mais tu peux l'augmenter le feu des torches. Oui, mais tous les feux tu peux. Ah, bah d'accord. Effigies. Aijin, c'est normal que dans le bouquin de mon gamin il y a de quoi créer des effigies avec des membres de mecs arrachés? Nope. C'est chelou. Bah non, c'est pas très normal ça. Il m'inquiète mon gosse. Alors, basic survival. Step 2, c'est bon, ça c'est fait. Basic fire, c'est fait. Edible. Oval leafed blueberries. Black twin berry. Ok, c'est assez succinct quand même. Je vais me balader. Je vais poser un peu mes cailloux aussi. Voilà. Ah, normalement, nous deux, on devrait les avoir remplis assez vite. Ouais, je viens avec toi. On peut se balader un petit peu. Ouais, de nuit. Qu'est-ce qui peut nous arriver d'horrible? Oh, techniquement, il n'y a plus personne ici, il faudra juste se méfier du diamant rouge que t'as vu. Il avait l'air sympa. Non, mais je pense que j'ai halluciné, je pense que c'est juste mon gamin qui s'est barré. Il y a une mouette qui est là. Bah, il est pas un peu con ton gamin, il y a un crash au lieu de rester à côté de son père, il s'est barré. Ouais. C'est pas moi qui l'ai élevé, hein, tu te doutes bien. Ouais, je me doute bien. Moi, si c'est moi qui l'avais élevé, le mec en rouge, il lui aurait mordu les couilles. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. La fameuse technique du mordage de couilles d'un navet, je peux vous dire que sur papier, ça fait rigoler, en vrai, ça fait super mal. Ah non, parce qu'on a des petites dents à serrer là. Ah, ouh, mais c'est un peu flippant ça. Et ça soigne ou ça soigne pas? Je sais pas. L'aloe vera, mais de toute façon, t'as un espèce de plus sur les... J'étais en train de me dire, ça se trouve, c'est un piège quoi, tu vois. Parce que toutes les plantes, il y a marqué plus dessus, il y a la croix de soin. Mais... Attends, Non, c'est une biche, putain. Ça me fait flipper, mec. J'ai cru que c'était un... Non, je te jure, j'ai entendu un bruit bizarre. Ah ouais. C'est un écureuil! Ah bon, c'est un écureuil. Putain, mais je suis nul! Bon. Ça c'est bon. C'est bon. Ça en est bien. Là, je prends les cailloux. Ah bah j'ai trop de cailloux. Écureuil! Non, bâtard, j'ai tapé là. Viens là, bâtard! T'es où mon ami? Putain, je chasse un écureuil. Attends, faut pas qu'on perde notre village. Ah non, c'est bon, c'est marqué. Non, c'est marqué ça. J'ai cru que ce serait pas marqué. Ça, stick collected. On va récupérer des stick collected. Stick collected. Bon, mais on est bien là. Ouais, on est plutôt tranquillou là. C'est bien installé pour le moment. On est plutôt à l'aise. Oh, regarde un petit village. Sympa. Viens, Tony. Il y a des gens déjà. Ah, il y a déjà des gens qui ont habité ici. Oh. Ah, il y a des tas de trucs. Bah, c'est cool. Pourquoi on s'est pas mis là dès le début? Ah. Je suis pas sûr, mais... Non. Ah, j'ai trouvé un sneakers. Oh mon dieu, mais c'est chelou. Viens. Ah. J'ai quoi? Entendu un truc. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai entendu un truc et... C'est quoi ça? Un truc qui... Ah quoi ça? Ah quoi? Ah mais... Bou, va-t'en. T'es qui? Qu'est-ce que vous... On l'attaque ou quoi? Ah hey, Jim. Il fait des roulades. Ah mon dieu. Mais c'est Gollum. Eh hey, Gollum. Ça va? Qu'est-ce qu'on fait, on le bute? Mais je sais pas, il... Oui.
Mais arrête de le taper, ça se trouve c'est sa façon de communiquer, il a l'air de bien t'aimer. Ah oui. Ah par contre vous avez un sacré. Non, non, il fait dépêche. Ah, il m'a attaqué. Bouge-toi, bouge-toi. Il m'a attaqué. Il m'a défoncé. Ah mais ils sont agressifs ici les gens. J'ai pris son cadavre, je sais pas pourquoi j'ai pris, pourquoi j'ai fait ça. Non, prends pas les cadavres de n'importe qui. Par contre, bonne nouvelle, il y a plein de trucs dans les caisses là. Ouais, super, des cartes mères, mec, super, on va poser sur une méga lane. On va pouvoir se monter un PC après. Hé, hey, Jean, va chercher. Ouais, bah, bon, ouais, je propose qu'on retourne à notre village. Ouais, mais du coup... Et qu'on... mette un terme à cette première vidéo. Tout à fait. Où on a trouvé déjà un nouveau copain. Bah, je l'ai pris, ouais, je l'ai pris, hein. D'accord, ok, t'as bien fait. Ah, mais il est cul nu, ce con, en plus. Quoi, je suis en train de toucher un mec cul nu? Ah bah, complètement, il est cul nu, cul nu. Bon, bah, tout va bien, alors. Il y a un truc noir qui coule de... Ah, oh, ah, bah fais gaffe où tu marches, hein. Ah, pom, pom, pom. Oh, c'est dégueulasse. Pom, 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 pom. Je récupère les... Tu crois qu'on l'a buté ou... Ah bah je lui ai mis un coup de hache dans la... derrière de la tête. Ah. Je veux bien croire qu'il est pas comme nous, mais au bout d'un moment, il y a des choses universelles dans la vie. Oui, c'est pas faux. Peut-être qu'il va se réveiller, tiens, on va l'emmener chez nous. En même temps, j'ai envie de te dire, légitime défense, hein. Oui, oui, non mais... On est plutôt bon, hein. Bon, après, est-ce que la défense était proportionnelle à l'attaque? Un mec qui fout des petites droites et deux gars avec des haches? Là, on est marron. Si je peux le faire cuire, le gars. Il me semble pas, non. Bon, je vais le mettre à côté de ta chambre. C'est la mienne ou c'est la tienne? Je sais plus laquelle, c'est la mienne. Je crois que c'est celle-là, la mienne. Bon, je vais le mettre à côté de ma chambre, parce que comme ça, je serai content d'avoir un ami. Je peux le découper. Oh! J'ai fait une bêtise! C'est dégueulasse! Ah, sa tête, elle s'en va! Ouf! Ah! Oh, oh mon dieu, c'est dégueulasse! Attends! J'entends un bruit! Y'a quelqu'un! Y'a quelqu'un! Ah! Oh, bonjour, madame! Eh, c'est une meuf! Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Eh, vous êtes perdu? Ça va? Ça va? Vous allez bien? Vous avez pas l'air dans votre assiette. J'arrive pas à savoir si vous êtes à poil ou pas. Bon, on fait quoi? Bah, moi je vais. Bah, déjà, moi je vais boire un coca parce que j'ai soif et j'ai faim. Bah, je sais pas, j'essaie de dialoguer. Et alors, vous. Vous voulez faire sneaker, quoi ici? C'est... Elle est pas très causante, hein. Mais reviens! Viens, mademoiselle! Hé! Hey, ouah! T'approches pas! Oh, elle t'écoute! Viens! Elle t'écoute! Pchit, pchit. Bon, par contre, elle a des réactions cheloues. Fais pas gaffe au mec qui est mort et décapité là. Ouais, bah oui. Bon, bah au revoir! Ciao! Bye bye! Non? Non, mais alors soit tu restes, soit tu rentres. Au bout d'un moment. Je vais ramener notre feu quand même. Oui, rallume-le. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette pute? Putain, mais elle se déplace vachement vite. Eh, hey, tu chouques pas nos sticks, c'est nos sticks, hein! C'est nos sticks à nous! Ah, elle m'attaque, la biche! Oh, la salope! Ah, elle m'a attaqué! Vas-y, je te défonce! Vas-y, je peux lui arracher les dents? Oh, on dirait qu'elle est pas vraiment morte! C'est chelou! Je crois que tu peux lui arracher les dents, non? Fais voir! Ah, elle est pas vraiment morte! Ah, bah attends, la pauvre, elle est en train de souffrir! Faut l'ajouter! C'est là. Bon! Ah, je lui ai arraché ses dents! Ah, c'est bon, là, elle est morte! On est des gros malades! Ah, mon dieu, mais sa tête, c'est pas du tout sa tête! Vous foutez de nous! Mais pourquoi il y a deux têtes? Attends, je balance son macabé! Mais elle avait deux têtes! Ah, c'est peut-être que j'ai fait tomber une autre tête, moi! J'ai combien de têtes dans mon inventaire? Ah, j'en ai une! Turnip, je crois que t'as oublié de jeter le bras là! Merde! Pas grave, bon, bah, allez, parlez-vous les macabres, restez pas chez nous là! Bon, bah les amis, ouais. C'est sur cette fin tout à fait saine où on a commencé à décapiter, à arracher les dents à des autochtones qu'on va se dire au revoir! Oui, bah oui, mais en même temps, c'est eux qui nous agressent, nous on essaie d'être gentils, mais au bout d'un moment, faut pas trop nous faire chier aussi! Alors, en tout cas, on est très content de commencer cette nouvelle série et je pense qu'on va bien rigoler! Ah, je pense qu'on va bien s'amuser, ouais. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures sur The Forest. Ciao les copains. Ciao les amis.